Ce Guy Ryder, que nous connaissons bien, qui est déjà venu parmi nous. Et merci d'être descendu la colline. En plus, on a le même prénom, donc oui. Hein, c'est vrai. D'être descendu la colline pour venir débattre avec nous. Ça tombe bien, puisque finalement, vous avez votre assemblée générale la semaine prochaine. Donc voilà, ça permettra peut-être de tester, de mettre les thématiques que vous allez aborder dans votre propre assemblée la semaine prochaine. On vous souhaite d'ailleurs bonne chance. Merci. Pour cette tenue-là. Et puis Olivier Sandeau, qui est directeur général adjoint, non pas de l'affaire au sens des affaires, mais de la Fédération des entreprises romandes. C'est vrai que je me souviendrai de cette... Ouais, ça montre une créativité. Absolument, hein, absolument. Voilà. L'originalité. Voilà. Alors, on avait fait une confusion. Dans la présentation, on avait marqué l'affaire au lieu de FER. Voilà. merci Olivier d'être là aussi. On excuse l'absence de monsieur. Voilà. Voilà. Alors, monsieur Ryder, ben, je vous donne la parole pour justement introduire la thématique. Et puis après, Olivier répondra. Puis on en discutera tranquillement entre nous et avec le public. Très bien, très bien. Et merci, merci beaucoup, Guy, pour cette invitation et le groupe de presse. Je suis vraiment très content d'être parmi vous aujourd'hui avec M. Sandoz et avec vous. Merci d'être là. Il fait chaud, on n'est pas très nombreux. J'ai un discours très joli à vous donner que je ne vais pas donner parce que je préfère, dans ce contexte, parler de manière un peu plus, comme dirais-je, non structurée des défis de la mondialisation, les défis du monde du travail, mais en commençant, comme vous m'avez invité de le faire, Guy, avec la Conférence internationale du travail qui commence lundi. Tous les Genevois savent très bien quand la conférence commence parce qu'on a presque 4000 délégués qui viennent à Genève et ça change un petit peu l'habitude des Genevoises et des Genevois. J'espère de manière positive, on contribue quand même à l'économie genevoise, hein, on fait un effort. Hein. Donc je vais commencer en vous expliquant un petit peu les enjeux de la conférence qui commence lundi. Première chose, on a fait des efforts pendant des années au BIT de faire cette conférence et l'ordre du jour de la conférence pertinent, intéressant, une conférence qui touche vraiment sur les priorités de notre actualité. Et donc, qu'est-ce qu'il y a sur l'ordre du jour de notre conférence? Premièrement, un grand débat, que je pense est un débat essentiel, sur la migration. Vous savez peut-être que les Nations Unies sont appelées à adopter des documents l'année prochaine, des compacts globaux sur la migration. Et donc, nous pensons que ces débats tripartites, je vous rappelle, entre gouvernement, travailleurs et employeurs, qui aura lieu à Genève les deux semaines qui viennent, sur la migration est important. Quel est l'enjeu de ce débat? Je vais le dire de manière très, très simple, et je vais voir si Olivier est d'accord avec moi. Moi, je crois que le cas économique en faveur de l'immigration n'a jamais été aussi évident. On a tout à gagner par l'immigration dans l'économie mondiale. Donc, le cas économique en faveur de l'immigration n'a jamais été aussi fort. Et malgré ça, au même temps, les obstacles sociaux, les obstacles politiques envers l'immigration semblent être de plus en plus grands aussi. La Suisse en sait quelque chose, je pense. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tous les avantages économiques de l'immigration soient réconciliés avec les soucis entre guillemets, social et politique.
Je pense, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que le système international n'a pas fait un bon travail, n'a pas bien géré l'immigration internationale. Ça a été un des points faibles de la communauté internationale. Et donc j'espère que, et je peux développer l'idée, j'espère que ce débat sera une contribution importante du monde du travail, parce que, en fin de compte, l'immigration a à voir avec le travail. L'immigration est motivée presque toujours par le travail. Il y a 150 millions de travailleurs migrants dans le monde. Qu'est-ce que le monde du travail peut amener à ce grand débat, ce grand défi, je dirais, de l'actualité? Deuxième grand débat a à voir avec le rôle du monde du travail, le rôle du travail décent, quand il s'agit de crise dans le monde. Il est devenu peut-être une banalité de vous dire que le monde connaît de plus en plus de crises dans le monde, des conflits, des catastrophes naturelles, des situations de fragilité. De plus en plus de nos États membres vivent des moments de fragilité. L'expérience démontre que l'emploi, les opportunités du travail décent, est à la fois un élément de prévention. Les crises se développent dans l'absence d'opportunités du travail, d'emploi, mais aussi une manière de faciliter la sortie, la récupération des crises. Donc nous essayons, à travers la révision d'un instrument, une recommandation qui date de 1944, la date n'est pas anecdotique, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez. Nous avions une recommandation qui date de 1944 sur la transition de la guerre à la paix. Maintenant, c'est plutôt une question de résilience, c'est une question de sortie de crise, le rôle du travail. Et ça aussi, c'est un débat d'actualité, parce qu'il y a beaucoup de crises dans le monde, mais aussi parce que le système de développement international essaye quand même de trouver le pont entre l'humanitaire et la dimension développementale de la sortie de crise. Donc, je pense qu'un débat stratégique est important. Troisième point sur notre ordre du jour, c'est le dernier point technique sur notre ordre du jour, c'est un débat sur les droits fondamentaux, les principes fondamentaux au travail. Et là, nous parlons de la défense des travailleurs et employeurs contre les atteintes à la liberté syndicale, négociation collective, discrimination, travail des enfants, discrimination au travail, travail forcé. Comment protéger les travailleurs et leurs droits, et les employeurs et leurs droits fondamentaux? Nous avons beaucoup progressé dans ce domaine, mais évidemment, il reste beaucoup à faire. Et deux autres aspects qui ne figurent pas dans l'ordre du jour. Le premier, c'est le sujet que moi-même j'ai choisi pour mon rapport à la conférence. Je décide très peu de choses dans cette conférence. La seule chose que j'arrive à décider moi-même, c'est le sujet de mon rapport qui sera discuté en plénière. Et j'ai décidé de parler de l'économie verte et le rôle du monde du travail dans la lutte contre les changements climatiques. Aussi d'actualité, on peut dire. Et là, j'ai un message à faire passer. Ce n'est pas mon message, c'est le message des mondes tripartites de notre organisation. Gouvernement, employeurs et travailleurs, ils ont pris une décision que je trouve d'une énorme importance. Ils ont décidé de prendre leurs responsabilités face au changement climatique. Pendant des décennies, et je parle de mon expérience personnelle, j'ai eu le sentiment, et je viens du côté syndical, que beaucoup de monde a cru qu'il fallait choisir entre le boulot, le travail, la croissance économique d'un côté, et la protection de la planète de l'autre côté. Que c'était deux objectifs, peut-être pas contradictoires comme, en soi, mais en tension. Dans une période relativement courte dans le monde du BIT,
on a quand même pu surmonter ces choix fausses. On s'est rendu compte que l'avenir du travail passe par une transition vers des modèles de développement qui sont durables dans le sens de l'environnement. J'ai proposé à la conférence que la question de la sustainabilité environnementale soit un élément transversal dans toutes les activités du BIT. C'est une décision que j'espère sera prise, qui est historique. Ça semble peut-être une évidence aujourd'hui, mais il y a 10 ans, je suis convaincu que nous ne serions pas en mesure d'adopter cette décision. Et dans le contexte actuel des débats internationaux, vous avez peut-être regardé tous les résultats de la conférence G7 à Taormina, vous voyez tout l'intérêt de ce débat. Et dernièrement, les femmes. Le 15 juin, on a une journée spéciale, on l'appelle le sommet du monde du travail, où on a des invités de marque. On a décidé de consacrer cette année ce sommet du monde du travail à la question des femmes au travail. Malgré tous les efforts, et les efforts de l'OIT ont été considérables, on a approuvé des conventions sur l'égalité des femmes il y a 60 ans, force est de constater que la différence à niveau de rémunération entre hommes et femmes pour travail égal à niveau mondial reste autour de 23%. Et la participation des femmes dans le marché du travail est 26% percentage points moins que la partition des hommes, sans parler de la ségrégation des femmes dans les marchés du travail. Donc, besoin d'innovation. Il ne peut pas s'agir de faire les mêmes choses. Il faut innover, il faut trouver des autres manières de surmonter les obstacles, parfois pas très visibles, qui empêchent l'égalité au travail. Et un élément dont je suis fier, ces jours-là, le 15 juin, on aura trois présidentes de nos États membres aux tribunes. Il s'agit des présidents de Népal, de Malte et de l'île Maurice, tous les trois des femmes qui seront en mesure, je pense, de parler avec une certaine autorité de toutes ces questions-là. Alors, je serai courte. Hein. C'est la conférence. Hein. Mm-hmm. Alors, le reste du monde, la mondialisation, l'emploi, ces problèmes de marginalisation. Je constate, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, que nous sommes en train de vivre, à mon avis, Guy, un deuxième volet du débat mondial sur la mondialisation. Il faut avoir un peu de mémoire. Et moi, je n'ai pas peut-être de mémoire, mais les années, hein, je deviens vieux. Au début des années 2000, on avait le grand débat sur la globalisation. C'est un petit peu la dialectique Davos-Porto Alegre. Forum économique mondial, forum social mondial. J'ai eu le plaisir d'assister aux deux forums. Hein. Un énorme débat sur la mondialisation. Je ne rentre pas dans les détails, mais il est un petit peu une confrontation d'un côté des grands pouvoirs économiques de ce monde, pro-globalisation, les pays émergents aussi pro-globalisation, mais avec certains doutes. Et après, il y avait une société civile, une Global South, qui trouvait que ce modèle de globalisation-là œuvrait contre leurs intérêts et contre des préceptes basiques fondamentaux de la justice sociale. Nous avons tous, ou beaucoup entre nous, vécu cette première vague de débat sur la mondialisation. Deuxième volet aujourd'hui est complètement différent. Les rapports de force sont différents. Les conséquences politiques de ce deuxième débat sont complètement différentes. C'est quand même les États-Unis qui sont au centre de ce débat. C'est le Brexit qui est un peu le symptôme de ce débat. Et donc, les questions sont les mêmes,
mais les rapports de force sont complètement différents. Et les conséquences politiques de ce deuxième volet et de ces rapports de force sont dramatiques, à mon avis. Et le système multilatéral est impliqué et est mis en cause par ce débat. Et le BIT doit être, à mon avis, un acteur et un lieu où ce débat aura lieu. Et je vais vous dire très clairement mes idées générales sur les questions. Premièrement, je suis pour une économie internationale ouverte. Je suis convaincu que c'est le meilleur locomotif d'un développement fort, la meilleure manière d'améliorer la vie des peuples autour du monde. Mais, il faut qu'on revoie le modèle de mondialisation. Je pense que personne ne peut douter que la mondialisation que nous avons connue ces derniers 20 ans, 30 ans, n'a pas pu répartir ses bénéfices d'une manière équitable entre les pays et dans les pays concernés. Et il faut revoir ce modèle. Il faut voir la meilleure manière de défendre la globalisation. C'est peut-être une surprise de le dire comme ça. Mais c'est effectivement ce que nous devons faire. Deuxième constat, le travail est au centre de ce débat. Parce que si on peut considérer que c'est les inégalités croissantes, c'est la marginalisation croissante qui est peut-être la raison pour ce deuxième débat sur la mondialisation, ces inégalités, ces marginalisations viennent du monde du travail. Je dis toujours que les inégalités, ce n'est pas quelque chose qui arrive au marché du travail, c'est les marchés du travail qui génèrent les inégalités. Donc les réponses adéquates doivent passer en premier lieu par le monde du travail. Troisième constat, et avec ça je vais terminer, Guy, nous vivons un monde du travail en profonde transformation. Et je pense que beaucoup des incertitudes, beaucoup des sentiments d'insécurité que nous vivons aujourd'hui sont les conséquences de ces transformations rapides, profondes. Et il est absolument essentiel d'examiner avec beaucoup plus de profondeur ces transformations du monde du travail. Et à 2 ans de notre centenaire au PIT, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes les plus vieux, il y a eu des organisations de système international, nous avons décidé de lancer une réflexion sur l'avenir du travail. C'est important, c'est l'avenir du travail. Et dans les prochaines semaines, je vais annoncer le lancement d'une commission globale sur l'avenir du travail. Je pense que ce sera un événement important. C'est une commission qui va travailler jusqu'à 2019. Et j'espère que le Club de la Presse aura la gentillesse de m'inviter absolument. 2019 pour vous expliquer à la conférence centenaire les résultats de cette commission et comment ce grand débat sur l'avenir du travail va diriger, guider l'avenir de notre organisation. Voilà, Guy, il y a beaucoup d'autres choses, mais je pense pour premier tour d'horizon, ça peut être intéressant. Absolument. Merci pour, effectivement, pour cette introduction. Oui, vous avez abordé effectivement beaucoup d'aspects. J'ai retenu effectivement celui de la transition environnementale comme plutôt un facteur de développement du monde du travail. Et, bon, voilà. Et puis ce projet effectivement de réétudier, enfin de réflexion sur l'avenir du travail, mais on prend date hein, pour 2019. Je vais tout de suite passer la parole à M. Sandeau, effectivement, qui donnera là un petit peu le point de vue du monde des employeurs concernant cette problématique au fond de création d'emplois dans ce monde mondialisé, globalisé, et puis comment, du côté des employeurs, on cherche également à éviter cette marginalisation sociale. Olivier. Alors à mon tour de te remercier pour cette invitation et je m'excuse déjà pour le débat, mais je suis d'accord avec tout ce que Guy vient de dire.
à partir de là, on peut tous se lever et aller boire un verre, ou poursuivre quand même. Non, un peu plus sérieusement, donc je confirme que je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je porte la voix du patronat Genevois et Romand. Je précise que le patronat Genevois et Romand n'est pas toujours en phase avec le patronat au niveau suisse, notamment par rapport à la sécurité sociale ou aux mesures d'accompagnement pour favoriser l'immigration. Donc je ne parle ni au nom d'Économie suisse ou de l'Union patronale suisse ou de l'Union suisse des arts et métiers, mais bien de la Fédération des entreprises romandes. Quand j'ai préparé ce débat, je me suis attardé sur le titre et surtout sur la notion de mondialisation de l'économie. Et je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui l'enjeu est vraiment là ? Est-ce que l'enjeu, c'est de la mondialisation ? Je partage ce que vous avez dit à ce sujet-là. Parce que quand on parle de mondialisation de l'économie, on pense souvent à délocalisation. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui existe encore, notamment dans les services. Mais on constate aussi, avec la montée des salaires, notamment en Chine, un mouvement de relocalisation. Vous avez des entreprises allemandes qui relocalisent chez elles. Par contre, elles relocalisent dans des entreprises qui sont entièrement robotisées. Et c'est, j'arrive à mon point principal, c'est que pour moi, l'enjeu majeur aujourd'hui, ce n'est plus la mondialisation, en tout cas par rapport à l'emploi, c'est la digitalisation et les conséquences de la digitalisation sur l'emploi. Marine Le Pen, lors de sa campagne, a beaucoup parlé de la mondialisation. Elle a opposé patriotisme et mondialisation, alors qu'à mon sens, on peut être patriote et plaider pour un monde ouvert. Et elle a même osé prétendre que les frontières pourraient protéger l'emploi. Alors, soit elle est d'une mauvaise foi crasse, ou alors elle ne comprend plus le monde dans lequel on vit. À mon sens, c'est un petit peu des deux. Les frontières aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles peuvent faire contre Google, contre la digitalisation ? Heureusement, elles ne peuvent plus rien faire. Les frontières ne peuvent rien faire contre le progrès technologique. Donc l'enjeu pour moi, ces prochaines années, et je suis d'accord avec ce que Guy vient de dire, les gens qui votent extrême droite, les gens qui veulent le repli, ils n'ont plus tellement peur, à mon avis, de la mondialisation. Ils ont peur des modifications des métiers. Ils ont peur des modifications du marché du travail. Ils se sentent désorientés. Quand aujourd'hui, vous avez des études qui vous disent il y a X% des jeunes qui sont à l'école aujourd'hui qui exerceront un métier qui n'existe pas encore. Entre nous, je vois mal comment on peut donner des pourcentages de métiers qu'on ne connaît pas encore, mais enfin bref, c'est quand même des statistiques qui font peur. Et donc les gens ont tendance à se replier. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études par rapport à cette digitalisation et par rapport aux conséquences sur le marché du travail. Et il y a des études qui font peur. Le WEF parle de millions d'emplois qui vont disparaître. L'OCDE a publié une étude qui est beaucoup moins inquiétante. Où sera la vérité ? Probablement entre les deux. Donc ce qu'il faut avant tout, c'est préparer l'après. Mais c'est très difficile de préparer un après qu'on ne connaît pas vraiment. Donc ça commence, à mon avis, très tôt au niveau de nos jeunes. Parce que ce n'est pas parce que les jeunes savent manier un iPhone qu'ils sont prêts à la société qui nous attend, qui les attend. Et pour que nos jeunes puissent être prêts à ce niveau-là, il faut aussi que le corps enseignant soit prêt. Il faut qu'il y ait une sensibilisation. J'ai un exemple très, très concret. Ma fille est au cycle. Dans le cadre de la géographie, l'enseignant leur a fait un cas concret d'implantation d'une usine Toyota en France. Renseignement pris. Cet enseignant fait exactement à la virgule près le même cas pratique depuis 20 ans. Or, une usine Toyota aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 20 ans. On n'implémente plus de la même façon. Donc, il faut une évolution dans les mentalités et ça commence bien évidemment par l'emploi. Pour éviter la marginalisation sociale, donc il faut anticiper les mouvements qu'il y aura au niveau du marché du travail. Il faut favoriser la formation continue. Et puis, je pense qu'il faut aussi encourager notre modèle suisse de flexicurité, qui est un modèle qui marie un marché du travail flexible. Je crois que la clé de notre prospérité réside dans de bonnes conditions cadres, ici, dans notre pays. Et parmi ces conditions cadres, il y a la flexicurité. La flexicurité, donc, c'est un marché du travail flexible avec une bonne couverture sociale.
Alors certains dans notre pays considèrent qu'on n'en fait pas assez. En comparaison internationale, je pense pouvoir dire qu'on n'est pas mauvais. Donc je pense que pour éviter cette marginalisation, il faut à tout prix faire en sorte de maintenir un marché du travail flexible. Parce que si vous avez un marché du travail flexible, les patrons n'hésiteront pas à engager, en sachant que si ça ne va pas avec l'employé, eh bien, ils pourront s'en séparer assez facilement, ce qui ne veut pas dire qu'il faut que ça devienne la loi de la jungle. Si vous regardez ce qui se passe en France, les patrons n'engagent pratiquement plus, parce qu'ils savent très bien que si ça ne va plus avec l'employé, eh bien, ils ne pourront pas s'en séparer, ou bien alors après des années de bataille. C'est pour ça que maintenant, vous avez beaucoup de pseudo-indépendants qui sont sur le marché du travail en France, mais qui en fait ne sont pas des vrais indépendants, mais ce sont des travailleurs cachés, entre guillemets. Donc voilà, et puis encore une chose au niveau de nos conditions cadres, Guy ne dira pas le contraire, une des conditions cadres fondamentales de notre pays, c'est le partenariat social. Un partenariat social fort est indispensable, et il l'est, même si une des parties du partenariat social est absente aujourd'hui, je vous confirme que les choses se passent plutôt bien, même si parfois les débats sont très animés. Pour ce qui est de l'immigration, alors oui, l'immigration est un élément fondamental. Nous nous battons à Genève contre des partis qui pointent du doigt l'étranger, qui pointent du doigt les frontaliers. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'un jour, on aura des partis qui ne se battront plus contre les immigrés, mais contre les robots et qui stigmatiseront les robots? Non, mais je plaisante pas. Il y a des partis qui se sont créés à Genève sur la haine de l'autre. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas des partis qui vont se créer sur la haine ou la peur des robots? Donc l'immigration pour nous est une chose fondamentale, ce d'autant plus que beaucoup d'études démontrent qu'il y a déjà une pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui même dans un certain nombre de secteurs, mais qu'on nous annonce une pénurie assez importante à l'orée 2020-2030. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions pour pallier tout cela. Il y a maintenir les seniors en emploi, il y a permettre aux femmes qui le doivent ou qui le peuvent de travailler et de favoriser autant que faire se peut l'immigration et la libre circulation des services et des personnes. Et nous nous battons ici aussi à Genève, mais nous essayons aussi de convaincre les représentants des employeurs suisses de la nécessité de renforcer les mesures d'accompagnement. Et ça, je peux vous dire qu'en Suisse allemande, ça passe très très mal. Renforcer les mesures d'accompagnement pour préserver la libre circulation. Donc, encore une fois, d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et pour moi, l'enjeu principal aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la mondialisation de l'économie, c'est la digitalisation et l'impact de celle-ci sur les emplois d'aujourd'hui et de demain. Merci Olivier pour cette réaction. Je vais me retourner vers Guy Heider pour lui demander, peut-être, bon, effectivement, M. Pélizzari n'étant pas là, mais non pas de prendre sa place, naturellement pas, mais vous qui avez justement une vision un peu de haut, qui avait une vision d'ensemble plutôt de cette problématique du monde du travail. Quelle est là, au fond, quels sont les soucis majeurs, les préoccupations majeures de la partie syndicale, des syndicats, de la tierce partie, au fond, les gouvernements, les employeurs et les syndicats qui sont, ou employés qui sont membres. Pour eux, quel est le, comment ils ressentent ça, en quelques mots? Oui, je vais faire un effort. Je pense que le souci majeur du syndicalisme à niveau mondial, ce sont les inégalités qui semblent de continuer à croître dans le monde du travail. J'ai lu la presse internationale ce matin, il y avait une étude qui vient du syndicalisme des États-Unis qui nous rappelle qu'il y a 50 ans, le rapport entre le salaire de l'employé moyen et le chef d'entreprise, c'était de l'ordre de 1 à 20. C'est-à-dire pour chaque dollar de l'employé, le chef gagnait 20. Aujourd'hui, c'est 347. Donc, on voit un petit peu ces divergences, ces inégalités qui semblent être faire partie de notre monde de travail. Il crée, je pense, au son derrière, beaucoup de défis, beaucoup de des conflits même dans le monde aujourd'hui. Je suis quelque part encouragé
que le Comité international est arrivé à reconnaître que les inégalités aujourd'hui sont un problème. Si vous regardez l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement soutenable, il y a une goal qui parle directement de la nécessité de mettre le micro, la nécessité de réduire les inégalités. Et ceci pour deux raisons. C'est un problème social, sans doute. Les inégalités que nous vivons aujourd'hui mettent en cause la cohérence de nos sociétés. Mais de plus en plus, les inégalités sont reconnues comme étant un problème économique, un obstacle à la croissance économique et la création de l'emploi. Donc, inégalité, c'est le premier point. Deuxième point, et là je rejoins ce qu'Olivier vient de dire, hein, toute la question de la digitalisation, nous avons identifié dans nos débats préliminaires sur l'avenir du travail quatre éléments qui sont derrière les mutations, les transformations du monde du travail. La technologie, bien évidemment, bien que les études nous prévoient des avenirs complètement différents. Il y a des études, Olivier l'a dit, qui nous disent que presque la moitié des emplois qui existent aujourd'hui peuvent être automatisés demain avec les technologies qui existent. C'est le World Economic Forum, c'est Osborne & Frayne de l'Université de Oxford. L'OCDE a une attitude beaucoup plus raisonnable, je dirais, sur ces questions-là. Et moi, je raille contre ce que j'appelle le techno-determinisme. Ce n'est pas la technologie qui va décider définitivement l'emploi de demain, la quantité de l'emploi de demain. C'est un débat politique. C'est une question de comment nous décidons de gérer la technologie. Donc, il faut faire très attention au danger de se laisser un peu paralyser par le développement technologique. Il faut qu'on gère ces transformations. Donc, la première chose, et je reviens sur la formation dans un moment, première chose, technologie, sans doute. Question de angst, question de incertitude, hein. Deuxièmement, la démographie. Hein. On parle beaucoup de le vieillissement de beaucoup de nos sociétés. Nous qui sommes des Européens parlons beaucoup de vieillissement. J'étais au Japon il y a trois semaines. Les chiffres sont dramatiques en question de le vieillissement. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud sont jeunes. Ils sont de plus en plus jeunes. Donc ce n'est pas le vieillissement qui est le problème ou la question. Les questions, ce sont differential demographies, c'est-à-dire des tendances démographiques qui sont différentes selon la société qu'on regarde. Conséquence, il faut revenir sur les questions migration, mobilité humaine. Deuxième question, quel est l'avenir de la protection sociale, pension, etc. Des énormes questions qui sont liées avec les démographies. Troisièmement, je ne veux pas l'oublier, c'est le changement climatique. Je pense que c'est le nouveau ingrédient dans la vie du BIT, mais dans le monde du travail. Et là, je vais répéter un peu ce que j'ai dit au début. Hein. S'il y a certains gouvernements qui mettent en question la nécessité de la lutte contre le changement climatique, moi, je suis convaincu que cette lutte va continuer et faire son chemin. Pourquoi ? Parce que moi, tu peux dire le contraire, il faut payer pour continuer. Je pense que le monde des affaires a compris que l'avenir, c'est un avenir vert. Je vois les investissements dans une économie verte. Et donc, j'étais frappé à Paris pendant le COP21. Le document pour moi qui me frappait le plus, c'était une lettre adressée à la conférence par les 7 entreprises pétrolières les plus grandes du monde qui ont dit qu'il faut y aller. On a besoin d'un accord. Je pense que le monde des entreprises, mais c'est Olivier qui est mieux qualifié que moi, a compris qu'il faut aller à l'avant. Et à ce moment-là, ça devient imparable. Et le deuxième élément
de changement, c'est quand même la mondialisation. Oui, c'est question de digitalisation, mais c'est aussi une question de mondialisation. Parce que nous avons agi ces derniers 30 ans sur la supposition que notre avenir, c'est un avenir mondialisé, de plus en plus. Cette idée est au moins mise en question. J'ai déjà dit quel est mon point de vue, mais il y a mise en question. Et si on tombe dans le piège des politiques des années 30, de ce repli nationaliste, défensif, parce qu'on n'est pas en mesure de gérer l'économie mondiale, il faut faire à niveau national, je pense que l'avenir va nous réserver des surprises un peu douloureuses. Dernière question, et j'arrête parce que j'ai parlé trop longtemps. La question de sous-indépendant est très importante. Olivier, tu as raison de le évoquer. On assiste à une diversification radicale de la manière de travailler. Les indépendants, et ça couvre, cette expression couvre une multitude de situations. Il y en a qui sont très bons, il y en a d'autres qui sont problématiques. On voit l'apparence de la gig economy, la platform economy. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir du travail? Est-ce qu'on va tout travailler style Uber, style B&B? Il faut poser des questions. Ou est-ce que notre objectif doit être ce qu'il était au BIT depuis des décennies, de créer des emplois permanents, stables, plein temps? C'est que mes parents, mes grands-parents ont toujours eu comme objectif dans la vie. Est-ce que ça, c'est l'avenir ou c'est ce du passé? Et ça, si c'est du passé, qu'est-ce qu'on cherche à l'avenir? C'est une grande question qui a à voir avec ce grand débat sur l'avenir du travail. Merci, Guy, pour ces précisions. Deux petites pierres dans votre jardin, cher Olivier, si j'ai bien retenu. Enfin, il y en a plusieurs, mais j'en ai sélectionné deux. Non, un, c'est... effectivement, croissance des inégalités, de 1 à 20 entre il y a 50 ans, puis de 1 à 347. Donc, que dit le patronat? Pardon, qu'est-ce cette différence? Enfin, qu'est-ce que vous faites, vous, comme organisation patronale, pour quand même essayer de réguler un petit peu ce différentiel? Puis la deuxième question, oui, la digitalisation. Alors, c'est vrai que c'est juste. Mais est-ce que ce n'est pas là aussi un problème patronal, dans le sens que le rêve de tout patron, c'est de ne pas avoir d'employé qui proteste, qui fait des grèves, qui est malade, bon, les femmes quand on travaille à couche, etc. Et donc un monde de robots, c'est un monde idéal. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait avec les 8 milliards d'êtres humains, bientôt 9, qui peuplent cette planète, quand on aura tout robotisé? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi du patronat, voilà, dans cette approche? Merci pour ces pierres dans mon jardin. Pour ce qui est des inégalités, je crois qu'il faut d'abord préciser qu'au niveau suisse, on est plutôt bon. Il n'y a pas d'écart, il y a des écarts importants, mais il n'y a pas des écarts qui peuvent être scandaleux comme aux États-Unis, par exemple. Il faut aussi préciser qu'on redistribue énormément. Je parle bien de la Suisse. On a un premier pilier qui est l'assurance la plus sociale au monde, puisque vous avez la rente AVS qui est plafonnée à 2000 et quelques francs, alors que si vous gagnez 10 millions de francs, vous allez être prélevé sur 10 millions de francs. Et en plus, on a quand même une fiscalité qui est très redistributive. Par contre, ce que nous disons, nous en tout cas en Suisse romande, ce n'est pas forcément le cas à Zurich, c'est qu'il est absolument scandaleux qu'un employeur gagne des fortunes alors que son entreprise fait des pertes. Nous disons que si une entreprise fait des milliards de bénéfices, que le manager gagne des millions, ça ne nous pose pas de problème. Par contre, on assiste en ce moment à des managers qui gagnent énormément, alors qu'ils mettent à la porte des brouettes entières d'employés, et ou qu'ils font des pertes. Et ça, ce n'est pas acceptable, et nous le disons, que ce soit les représentants des employeurs au niveau du centre patronal dans le canton de Vaud, ou nous, à Genève. Ce qui m'inquiète particulièrement, c'est que malheureusement, ces inégalités, et pas forcément uniquement d'un point de vue économique, elles vont s'aggraver. Je pense notamment au transhumanisme. Vous savez que la médecine vise à soigner les individus, le transhumanisme vise à améliorer les individus. Je rentre d'un voyage au Togo, d'un voyage humanitaire,
où on s'est forcé d'amener de l'eau potable aux gens. Et j'ai vu des personnes qui ont bu de l'eau potable pour la première fois. Et j'ai mis ces gens-là en perspective avec ce qu'on nous promet par rapport au transhumanisme. Et moi, ce que je crains énormément, c'est qu'il y aura des personnes, il y aura des parents qui auront les moyens pour améliorer, entre guillemets, leurs enfants face à des populations qui ne pourront pas. Et à un moment donné, les enfants améliorés, entre guillemets, vont devenir des adultes améliorés et ils seront nettement supérieurs sur plein de plans par rapport à ceux qui n'ont pas pu se payer tout ce qui a trait au transhumanisme. Et là, je pense que si on n'a pas une réflexion à avoir, et Luc Ferry, philosophe français bien connu, insiste là-dessus, on ne peut rien faire contre le progrès technologique, mais on peut peut-être encadrer avec des réglementations ou en tout cas avoir cette thématique en tête. Par rapport à ta préoccupation sur un monde entièrement robotisé, pour l'instant, on n'y est pas encore parce que, je le dis assez cyniquement, les robots coûtent encore trop cher, mais on sait quand même que certains employeurs attendent qu'une chose, c'est que les robots coûtent moins cher pour pouvoir travailler avec des robots, tout en précisant que certains métiers, on ne peut pas les robotiser, tout ce qui a, en tout cas pas pour le moment, mais après avec l'intelligence artificielle, avec ce qu'on nous annonce, le moment de singularité, etc., etc., qui là est encore plus inquiétant, si vraiment ça se passe un jour, il est vrai qu'on pourra robotiser de plus en plus. Mais maintenant, il y a quand même toutes sortes de métiers qui nécessitent un contact humain, qui ne peuvent pas être remplacés. Si un jour on devait arriver à ce que la plupart des emplois soient robotisés, eh bien, mais ça ne sortira pas d'ici, je dis qu'il faudra sérieusement pencher pour un revenu universel inconditionnel. Nous nous sommes battus, la Fédération, contre l'initiative pour un revenu inconditionnel qui avait abouti et qui était soumis à votation en Suisse. Nous nous sommes battus très fortement parce qu'on estime qu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas pour la Suisse, avec un taux de chômage de 3%, c'est une hérésie de mettre un revenu de base inconditionnel. Mais nous disons aussi que par souci de cohésion sociale, si un jour la plupart des emplois ont disparu et qu'il n'y a pas des nouveaux métiers qui les remplacent, eh bien, il faudra bien que les gens puissent vivre. Par souci de cohésion sociale, il faudra bien qu'on imagine autre chose. D'où un revenu de base inconditionnel, mais alors qu'il devra plutôt être sur des montants qui avaient été articulés en Suisse, plutôt que les montants qui ont été articulés pendant la campagne présidentielle en France par le candidat du EPS, parce que je crois qu'il parlait de 400 euros, vous ne pouvez pas vivre avec ça. Et c'est vrai que plus vous aurez de robotisation, plus vous aurez aussi des impacts sur la sécurité sociale. Vous savez qu'aujourd'hui, on vit dans nos pays sur un modèle bismarckien qui fait qu'on finance la sécurité sociale par des prélèvements sur les salaires. Si les salaires tendent à disparaître au profit de robots ou d'indépendants, eh bien, il faudra bien qu'on invente un autre système. Et j'avoue que là, j'ai très peur. Vous savez peut-être que nous sommes appelés en Suisse à voter au mois de septembre sur le projet prévoyance professionnelle 2020 qui vise à adapter notre système qui fonctionne au vieillissement de la population. Il a quand même fallu 3 ans de discussion pour faire une légère adaptation et on n'est encore pas sûr que ça passe au niveau suisse. C'est d'ailleurs assez piquant parce que les syndicats au niveau suisse défendent le projet, les syndicats au niveau genevois sont contre. Les employeurs au niveau suisse sont contre le projet, les employeurs au niveau genevois et vaudois sont pour. Je peux comprendre que le citoyen qui sera appelé à voter ne comprenne plus grand-chose. Je suis assez d'accord que ce n'est pas très lisible. Mais enfin bref, c'est pour dire que c'est une adaptation somme toute assez légère. Et je me dis, si un jour on doit réformer complètement nos systèmes de sécurité sociale, et puis si un jour on doit le faire, il faudra qu'on y aille vite, je crains beaucoup qu'on ait de gros soucis, parce que quand je vois pour une petite réforme, on met plus de 3 ans et je ne sais même pas si elle aboutira, vous imaginez que s'il faut qu'on change complètement le mode de perception, que ce soit pour la sécurité ou la fiscalité, j'ai les plus grosses craintes. Très bien, merci. Je vais passer, peut-être ouvrir la discussion au public. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il souhaite Margaret Tapp après. Vous avez les deux parlé dans votre introduction, dans vos introductions de économie mondiale verte. S'il vous plaît, expliquez-moi qu'est-ce qu'on ouvre. Parce que vous venez de dire qu'il est impossible de faire aujourd'hui, d'ouvrir encore plus. Quelle économie on ouvre exactement? Qu'est-ce qu'on ouvre? Des frontières, des portes, des règles, des lois? Qu'est-ce qu'on ouvre pour
pour que cette expression économie mondiale ouverte soit valable, pour que moi je puisse la comprendre. Voilà, je ne l'ai pas encore compris. Parce que quand je regarde l'Union européenne et je vois que c'est un marché petit par rapport à l'économie mondiale et qu'il y a une telle différence des salaires entre le médecin roumain et le médecin français, c'est, je pense que c'est le français il gagne 10 fois plus, c'est clair que tous les bons médecins de Roumanie ils partiront en... Donc qu'est-ce qu'on a ouvert? On a ouvert la possibilité aux médecins formés par la Roumanie d'aller travailler en France. Expliquez-moi ça parce que je n'arrive pas à comprendre. Oui, c'est une question assez fondamentale. Je peux vous donner un exemple, un contre-exemple pour un petit peu illustrer les questions. Le Brexit, c'est une réaction contre les économies, les systèmes, je suis britannique, ouverts. Je suis contre. C'est mauvais. C'est une démarche qui est animée par des soucis et par des réflexes que je trouve extrêmement négatifs. Alors, il n'est pas difficile de définir une économie ouverte, un système ouvert, là où il y a des systèmes d'échange, là où il y a une mobilité des travailleurs. Je trouve que ce sont des choses qui sont positives. Mais, et je l'ai dit dans ma première présentation, force est de constater que la mondialisation que nous avons connue ces derniers 30 ans, je dirais depuis le début des années 90, a eu des conséquences très négatives. Il était une locomotive pour la création de richesses extraordinaires. On a vu quand même des résultats innégables. Mais en même temps, il a créé des inégalités, des injustices que je pense qu'il faut corriger. Donc, à mon avis, il faut revoir un petit peu le modèle de ces systèmes ouverts, libre échange. C'est intéressant. Le mot, le vocabulaire a changé. On a parlé dans le monde du commerce de free trade. Ça est devenu un petit peu le mantra. Aujourd'hui, c'est free and fair trade. L'idée de justice, l'idée d'équité dans ces échanges est revenue, je pense, en premier plan. Je pense qu'on n'a pas, jusqu'à présent, trouvé les réponses adéquates à ce genre de situation. Mais très honnêtement, je ne suis pas contre l'ouverture. Hein. Je suis un internationaliste par conviction et par expérience. Ce n'est pas le repli national qui va nous sortir des problèmes réels, réels de la mondialisation que nous connaissons aujourd'hui. Et si on veut éliminer les différences entre les salaires en Roumanie et en France, et je suis d'accord avec vous, il y a des vrais problèmes. Hein. Et on voit dans tous les débats en Europe sur le posted workers, des problèmes qui n'ont pas été résolus. Hein. Ce n'est pas par le fermeture de frontières qu'on va éliminer les inégalités. Ça risque plutôt les consolider et les prolonger. Olivier ? Oui, alors je crois que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la mondialisation, grâce à elle notamment, eh bien l'extrême pauvreté dans le monde a reculé. Alors c'est vrai qu'il y a des inégalités qui se sont créées, mais la pauvreté, l'extrême pauvreté a reculé, et ça je crois qu'il ne faut pas que l'on oublie. Pour qu'il y ait une économie ouverte, il faut déjà qu'on puisse lutter contre la tendance actuelle au repli sur soi. Parce que vous avez cité le Brexit, Trump aux États-Unis, l'extrême droite et l'extrême gauche cumulées en France, qui représentent quand même la moitié ou presque des électeurs. La tendance, elle n'est pas à l'ouverture aujourd'hui. Elle est plutôt au repli sur soi. Donc pour moi, l'économie ouverte, elle est menacée aujourd'hui. Et une des raisons, c'est justement la crainte, la peur des gens par rapport au changement qu'il y a actuellement et aux changements à venir. Donc il faut qu'on soit à même de rassurer. Et puis, par rapport à cette problématique des salaires, eh bien, je pense que les partenaires sociaux ont un rôle particulièrement important. Si je pense à la Suisse, notamment par rapport aux conventions collectives de travail, étendues ou non, avec des salaires minimums à l'intérieur des conventions, de telle manière à ce que le travailleur étranger ne puisse pas venir travailler ici
à des conditions nettement inférieures à ce qu'un employé suisse gagne. Mais ça, il faut que les partenaires sociaux soient forts et il faut qu'on augmente le nombre de conventions collectives de travail en Suisse et dans les autres pays. Merci. Oui, Louisa, peut-être. Moi, j'ai deux questions pour vous, Monsieur Ryder. La première, c'est concrètement, qu'est-ce que vous pouvez dire à Monsieur Trump, qui est en train de faire exactement tout le contraire de ce que vous préconisez, notamment dans le domaine des migrations, puisqu'il veut construire un mur. Justement, il est contre cette mobilisation des migrations. Concrètement, qu'est-ce que vous allez lui dire pour essayer de le convaincre? Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aussi pour empêcher que des grandes entreprises, justement, évitent une fiscalisation, évitent de payer des impôts qui ont une répercussion, effectivement, sur les acquis sociaux? Et troisièmement, que faire justement pour que le travail des femmes, vous l'avez évoqué tout à l'heure, puisse devenir vraiment une réalité? Merci. Question de savoir si j'aurai l'opportunité d'expliquer les choses au président Trump. Je n'en sais rien, mais sur l'immigration, bon, j'ai déjà dit, je pense qu'il faut insister. Je pense que sur les questions immigration, il faut confronter les perceptions avec les réalités. Et les réalités, si on prend le soin de les examiner, démontrent dans tous les domaines que l'immigration est positive pour l'emploi, pour la durabilité des systèmes de protection sociale. Entre parenthèses, c'est presque toujours le cas que les migrants cotisent plus au système de sécurité sociale qu'ils ne reçoivent. Hein. C'est une réalité. Hein. Que sera les États-Unis sans l'immigration? Monsieur Trump est quand même fils d'une mère écossaise. Hein. Donc, il faut vraiment confronter les perceptions avec les réalités. Au même temps, et là j'insiste encore, et c'est le même pour les changements climatiques, hein. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Dire que l'immigration ne pose pas des questions politiques importantes, dire que la transition vers la sustainability, une économie décarbonisée ne pose pas de problème, c'est ne pas être honnête. Donc il faut assumer les défis qui vont avec toutes ces questions-là. Donc c'est ma réponse à ce que vous venez de dire. Sur les questions des entreprises, de fiscalité, j'ai lu un commentaire du président Juncker dans le Tribune de Genève ce matin, je pense, qui disait qu'il était pour la concurrence fiscale des entreprises, mais pour une concurrence équilibrée. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis pour, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. À la fin, il faut être réaliste. Hein. L'harmonisation fiscale, même à niveau européen, ce n'est pas pour demain, ça c'est sûr. C'est-à-dire le même niveau de fiscalisation des entreprises. Il faut lutter contre les paradis fiscaux, ça c'est sûr. Et je trouve que le travail fait par l'OCDE, en particulier ces dernières années, est d'une très grande importance. Donc il faut qu'on poursuive ces questions-là. Sur le travail des femmes, on a fait un sondage, on a fait une étude avec le Gallup Organization le 8 mars dernier, la Journée internationale des femmes. On a posé des questions, une chose qu'on n'a pas fait assez souvent. On a demandé aux femmes quels sont les obstacles les plus importants qu'ils rencontrent dans leur vie professionnelle. Et c'est presque toujours la même réponse. Réconcilier la vie professionnelle avec la vie privée. Donc, ce n'est pas peut-être une surprise pour vous, mais il faut vraiment s'occuper de toutes ces questions-là. Les enfants, comment le child care, toutes les questions, c'est vachement compliqué. Ce n'est pas qu'une loi qui dit paye égale pour travail égal. Ce n'est pas des législations seulement contre les discriminations ouvertes qui va nous amener vers l'égalité. Il faut vraiment être, je l'ai dit au début, beaucoup plus créatif et beaucoup plus
comment dirais-je, sophistiquée dans notre analyse des obstacles que les femmes rencontrent dans le monde du travail. Il y a autre chose aussi, les attitudes, les stéréotypes, etc., etc., etc. Mais le problème numéro un, c'est cette réconciliation de la vie professionnelle et privée. Merci. Alors Olivier, peut-être pour, suite aux deux questions précédentes, pour revenir sur cette question de libre circulation des personnes ou de migration, parce que c'est deux termes différents pour une même réalité souvent, est-ce que ce n'est pas justement un peu un mantra de la part des employeurs, la vive la libre circulation, etc., alors que, enfin, un mantra routinier qu'on récite comme ça, sans voir au fond que ça pose quand même de réels problèmes. Ça, c'est la première chose, quoi. Vous avez même un de vos représentants à Berne qui est d'origine genevoise, M. Jeune-Camp, qui a jeté un pavé dans la mare. Bon, alors peut-être que c'est un gros pavé, mais en même temps, c'est intéressant. Bon, voilà, est-ce qu'il n'a pas quand même raison de mettre le doigt là où ça fait mal? Puis la deuxième question plus technique, on a parlé du financement des migrants qui finançaient les assurances sociales plus que leur part. Est-ce que vous pouvez un peu développer ou étayer qu'on comprenne mieux le mécanisme? Alors, c'est vrai qu'on soutient la libre circulation, on soutient l'immigration. C'est vrai que M. Jeune-Camp a pris une position qui est complètement différente de celle de son parti, mais il est assez coutumier du fait de prendre des positions contraires à celles de son parti. J'aimerais pas être son bon président. Par contre, on ne nie pas qu'il y a des problèmes sur le terrain. On ne dit pas que la libre circulation, c'est parfait, c'est extraordinaire et c'est la solution à tout. Par contre, ceux qui sont contre la libre circulation, ils viennent jamais avec une étude qui démontre, chiffre à l'appui, les problèmes posés par la libre circulation. Par contre, nous avons une multitude d'études, universitaires ou non, qui démontrent qu'en Suisse, depuis la libre circulation, la croissance s'est développée, on vit mieux et on est plus riche. Par contre, on ne dit pas que tout est parfait. C'est évident qu'il y a des gens à Genève qui ont perdu leur emploi à cause d'un frontalier. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'à Genève, il y a plus de places de travail que d'employés. Donc les frontaliers, on en a besoin. On avait mandaté à l'époque M. Flückiger, qui est le recteur de l'université de Genève, pour faire justement une étude, parce qu'on en avait marre du MCG, de l'UDC, qui pointait du doigt le frontalier en disant que tout était de sa faute. On voulait en savoir un petit peu plus. Et le professeur Flückiger a fait une étude et puis il a rendu des conclusions assez intéressantes. Alors évidemment que ceux qui sont contre la libre circulation ont prétendu que c'était n'importe quoi, que c'était pas sérieux et tout. Mais c'est une étude qui a été corroborée après par d'autres études, qui a démontré à Genève que si on fermait les frontières, si on mettait dehors tous les immigrants qui n'avaient plus un frontalier, sur 10 chômeurs genevois, il n'y en a qu'un qui retrouvait un emploi. Alors on peut discuter des chiffres, c'est peut-être pas un, c'est peut-être pas deux, c'est peut-être pas... Mais enfin, ça veut dire que c'est pas l'immigration, la libre circulation qui est responsable du chômage à Genève. En fait, la problématique vient du fait qu'il n'y a pas suffisamment d'adéquation entre le chômeur genevois et les besoins du marché. Donc pour résumer, oui, nous défendons l'immigration, oui, nous défendons la libre circulation parce que tout démontre que c'est bénéfique pour les Genevois, pour la société, mais par contre, on est conscient qu'il y a quelques difficultés, et c'est bien normal. Par rapport à la seconde question, je confirme qu'effectivement, mais là, j'ai pas les chiffres, mais je confirme qu'effectivement, les gens, généralement, les immigrants cotisent plus que ce qu'ils coûtent après, et évidemment que des partis d'extrême droite disent exactement le contraire, mais ce n'est pas sérieux. Parce qu'ils sont plus jeunes. Les jeunes, ils viennent travailler aussi. Hein. Ils viennent travailler. Mmh, d'accord. Ok, merci. D'autres ? Oui, vas-y, M. Favre. Oui, bonjour et merci. Jérôme Favre du Foraus, Forum de politique étrangère suisse. Je voudrais revenir sur vos pistes, M. Sandeau. Avec Romain, mon collègue Romain, on est parti il y a deux semaines en Finlande. Pour nous poser la question de la quatrième révolution industrielle et de l'impact de l'automatisation sur le marché de l'emploi.
Pourquoi la Finlande? Parce que la Finlande est un pays pionnier dans les tests à ce niveau-là. Ils ont mis en place un test au niveau national du revenu de base inconditionnel à partir de ce début d'année sur un échantillonnage de la population. Deuxièmement, on a des discours publics sérieux sur la taxation, sur les robots, qui est aussi une deuxième possibilité intéressante pour combler cette transition. Et troisièmement, la réforme scolaire qui est en place depuis déjà plusieurs dizaines d'années, mais qui est en train de se consolider en ce moment, avec cette volonté de suppression des matières et d'ouverture vers la pluridisciplinarité de l'enseignement. Et moi, j'ai une interrogation, on a une interrogation, tu me diras si je me trompe, quand on est revenu de la Finlande, on s'est dit, voilà, là, on a un pays qui teste, qui n'a pas peur de prendre des initiatives pour, justement, peut-être avancer sur la question avant qu'il ne soit trop tard, avant que le shift ne soit pas maîtrisé. Et je voudrais savoir, vous... autant l'affaire que le BIT ou que d'autres organisations qui travaillent dans ce milieu-là, comment on peut aujourd'hui créer des points de pression, des groupes de réflexion sur cette thématique-là pour aider aussi le gouvernement suisse, l'État, à prendre des décisions dans ce milieu-là. Et donc, comment on peut améliorer la polyvalence et la pluridisciplinarité dans le monde du travail pour justement... amorcer cette transition avec la quatrième révolution industrielle que M. Schwab du WEF a bien, comme vous l'avez dit, M. Sandeau, bien éclairci, avec des chiffres assez évocateurs. Alors merci pour votre conseil. Je vais dire à mon directeur général Blaise Maté qu'il faut que je me rende en Finlande. Non mais trêve de plaisanterie, je pense que ce serait intéressant effectivement de faire un voyage. Il faut pas non plus penser que rien ne se fait en Suisse. Vous avez peut-être vu le professeur Xavier Auberçon, professeur éminent en fiscalité, qui suscite le débat, qui a fait énormément de conférences justement sur la fiscalisation des robots. Alors, donc il y a quand même quelque chose qui se fait. Après, c'est toute la définition du robot, qu'est-ce qu'un robot, à partir de quand ça devient. Parce que si on parle de fiscalisation, il faut en faire une personne, donc pas une personne physique, mais une personne. Mais donc ce débat existe simplement. Après, c'est vrai que dès le moment où ce débat est lancé, il y a tout de suite des craintes dans certains milieux qui consistent à dire « mais ne soyons pas les premiers de classe ». Parce que si tout d'un coup en Suisse, on décide de créer une fiscalisation des robots, les entreprises, elles risquent de partir s'il n'y a pas la même fiscalisation dans les autres pays. Donc ça, c'est des réflexions qu'il faut mener au niveau national, mais aussi au niveau supranational. Vous avez peut-être vu qu'il y a un député genevois qui a déposé un projet de loi qui vise à taxer les caisses automatiques dans les magasins, alors que le commerce genevois souffre déjà de la concurrence transfrontalière. C'est juste une aberration. On ne peut pas régler ça juste dans un domaine ou juste dans un canton. Et nous, ce que nous faisons, nous écrivons des articles, nous faisons des conférences pour sensibiliser les 28 000 membres de l'affaire Genève, les 40 000 au niveau roman, parce que là, on en parle entre nous, parce que moi, c'est mon dada, je lis énormément de livres. Mais il ne faut pas oublier que le petit menuisier ou le boucher du coin... Il n'a aucune idée de tout ça. Parce que lui, il a le nez dans le guidon. Et puis, sa préoccupation première, c'est que son entreprise survive. Alors, si on lui parle de transhumanisme et de robotisation et de fiscalisation des robots, bah, il va nous regarder un petit peu de coin. Donc, nous, notre rôle, mais je pense que c'est aussi le rôle du BIT, comme le rôle d'ailleurs des syndicats, c'est de tirer la sonnette d'alarme, mais sans faire peur. Parce que si on fait peur, après, on va accentuer le mouvement de repli sur soi, puis on aura tout perdu. Donc il faut qu'on sensibilise, et ça peut être par des publications, par des séminaires, par des conférences. Nous fêtons l'année prochaine le 90e anniversaire de notre fédération. Nous aurons le plaisir de recevoir d'ailleurs à notre assemblée générale le directeur du BIT. Et nous allons axer cette année-là justement sur la quatrième révolution industrielle, en justement faisant le plus d'événements possible pour sensibiliser. D'accord. Juste... sur le cas finlandais, qui est très intéressant. Les Finlandais eux-mêmes disent qu'ils sont
très créatif parce qu'ils doivent faire face à l'adversité. Ils ont inventé le Molotov cocktail, c'est une invention finlandaise, parce que quand ils devraient lutter contre les Russes, l'envahisseur russe, il n'y avait que des bouteilles d'alcool vide et du pétrole, il n'y avait pas autre chose. Donc ils ont fait preuve d'une certaine créativité en inventant le Molotov cocktail. Finlande est passée d'être une subcontractor de l'Union soviétique à Nokia Land, et ils cherchent le modèle post-Nokia Land. Ils ont eu énormément de difficultés. On voit le Finlande comme un exemple, une panacée quelque part. Ce n'est pas du tout ça. Ils ont connu beaucoup de difficultés. Il y a un élément permanent dans la vie des Finlandais, et c'est le dialogue social et le tripartisme. Je pense que c'est un modèle remarquable. Hein. Ils ont un modèle de partenariat même plus fort que le Suisse, si j'ose le dire. C'est un mot beaucoup plus fort que les Britanniques. Hein. Et là, quand la dernière fois que j'étais en Finlande, ils avaient, il y a 2 ans, je pense, négocié un pacte de compétitivité où les syndicats avaient fait des sacrifices extraordinaires. Ils ont été d'accord pour travailler plus longtemps. Ils se sont mis d'accord sur le gel des salaires en sachant que plus tard, ils allaient prendre les bénéfices parce qu'il y a un certain niveau de confiance. Et ça, c'est très, très important. Deuxièmement, c'est vrai que la Finlande, c'est un exemple d'une expérience sur les systèmes de garantie universelle de revenus, hein. Une échelle assez limitée, je pense. Les syndicats n'y croient pas beaucoup, je dois le dire. Hein. Mais ça me permet peut-être un petit commentaire sur cette question des garanties de revenus universelles. Hein. Si, à l'avenir, on pense que l'emploi sera limité, et il n'y aura pas de l'emploi pour tout le monde, il faut que les sociétés prennent une décision. Est-ce qu'on va distribuer les revenus d'une autre manière que par le travail? Nous vivons dans des sociétés depuis des décennies, des siècles, où c'est le travail qui sert pour la distribution de la richesse de nos sociétés. Est-ce qu'on va abandonner cette idée, principe de base pour aller ailleurs? C'est une grande question, ce n'est pas nouveau, hein? Karl Marx a parlé d'une situation qu'il voyait comme une utopie, hein, de l'avenir où il fallait travailler si on a envie de travailler, mais pas pour vivre. Hein. Si on n'aime pas trop Karl Marx, John Maynard Keynes a fait la même chose. Hein. The Economic Perspectives of Our Grandchildren, des années 80-1920, hein. Il a prévu la même chose. Et moi, je pense que ce débat, bon, ça crée beaucoup de controverses entre les économistes, et surtout, ça crée une panique morale. Et dans la ville de Calvin, c'est un bon endroit pour le dire. Hein. Nous pensons tous qu'il faut vivre par le sueur, par le travail. Et si on coupe avec ça, on a une panique morale. Et c'est vraiment une question existentielle que j'espère qu'on va aborder dans nos débats sur l'avenir du travail. Et dernièrement, les Finlandais, la formation, l'éducation, ils sont connus pour être les meilleurs du monde. Je veux revenir sur la question de formation continue, lifelong learning. Nous sommes tous d'accord qu'il faut arrêter de croire que pendant les premiers 20-25 ans de notre vie, on apprend et après on travaille. Les deux choses doivent être mélangées entre les deux et permanentes. Tout le monde est d'accord pour ça. Mais on a du mal à trouver les moyens pour mettre en œuvre les systèmes de formation continue. Les Suisses sont bien placés. Tout le monde reconnaît que le système de dual education dans la Suisse est peut-être entre les meilleurs du monde. Je ne suis pas étonné. Le nouveau secrétaire du travail américain veut venir en Suisse pour regarder tout ça. Donc, mais il faut trouver les moyens de faire de cette lifelong learning une réalité. Et ça, va falloir un effort remarquable dans la manière dans laquelle nous organisons le marché du travail. Merci pour ces réponses. Est-ce qu'il y a encore d'autres interventions, d'autres questions, d'autres commentaires? Le Brésil.
Ah, je ne sais pas espagnol, mal portado. Non, j'ai douté parce que c'est très intéressant ce que vous dites, mais j'ai la sensation que c'est centré au nord, au pays développé. Parler de la Finlande, ou ce que la Suisse fait, ou parler de flexi-sécurité, c'est magnifique, mais on a la sécurité sociale, on l'a en Europe. Mais au sud, on n'a même pas arrivé là. On parle de motorisation, robotisation, si on a même pas la sécurité d'avoir un travail, un salaire, un horaire. Donc, vous êtes quand même le directeur général de la BIT, donc oui, représente près de 200 pays. On devrait avoir notre vision, une alternative, parler aussi des autres, quoi. Oui, bah, peut-être un mot quand même sur effectivement le fossé de la Nord-Sud. C'est un débat universel, global, pas seulement pour le Nord. Je suis 100% d'accord. C'est vrai, on a concentré sur la Suisse, les exemples suisses, c'est peu naturel. Mais pour vous dire, vous êtes brésilienne. Espagnol, voilà, pardon. Enfin, D'accord. De parce part que et d'autre de la j'allais parler du Brésil et ce qui se passe en Brésil, mais c'est mieux que je l'évite peut-être. Mais si on parle de l'avenir du travail, on avait beaucoup réfléchi. Est-ce qu'il fallait parler des les avenirs du travail? C'est-à-dire, chaque pays aura un avenir différent. Je ne pense pas. Il faut parler de l'avenir du travail et dans cet avenir commun, il y aura bien évidemment une diversité d'expériences. Mais vous avez tout à fait raison. Et dans le cadre du BIT, on a quand même 187 États membres. Nous sommes obligés d'avoir une réflexion et bien évidemment une pertinence universelle. Absolument. Mais je vous demande, qu'est-ce que vous pensez pour faire cette saute? La plupart des pays pas développés, ils n'ont même pas un salaire, un horaire. Mais ça va arriver aussi, la robotisation, ce n'est pas que ça ne va pas arriver. Donc il faut faire plusieurs sautes et plus vite. Est-ce qu'il y a des idées? Est-ce qu'ils vont pas passer, vous allez pas, enfin les pays du Sud ne vont pas passer directement du non-travail à l'ère des loisirs robotisés en sautant l'étape du travail avec tout ce que ça suppose en termes de pauvreté? Il y a un énorme débat. Il faut recommencer le débat parce qu'il y a un énorme débat là. Mais une chose que je veux dire, je vais insister sur le fait que nous avons assumé comme une priorité absolue la lutte contre l'informalité dans le monde du travail. C'est vrai, parfois, on parle des institutions, on parle des procédures, on parle des négociations collectives, et on oublie quelque part que dans les pays en voie de développement, très souvent, c'est la majorité des travailleurs qui travaillent dans l'informalité absolue. Et depuis quelque temps, ce n'était pas toujours le cas. Mais on a aujourd'hui un consensus tripartite, gouvernement, employeur, travailleur, que pour un développement équilibré et fort, il faut suivre le chemin de la formalisation de l'informel. Et il y a beaucoup qui se passe dans ce domaine. Je peux citer les exemples de l'Amérique latine, où plusieurs gouvernements, l'Argentine, le Mexique, le Brésil même, qui ont fait de la formalisation une priorité absolue. Mais est-ce que les pays en voie de développement vont suivre le même chemin que les pays européens ont suivi ces derniers 100 ans, 150 ans? Non, je ne pense pas. C'est autre chose. Olivier. Le cas, je crois qu'on va s'arrêter là. Je tiens à remercier nos deux intervenants parce que c'est un débat qui était tout à fait intéressant, même si effectivement il est plutôt resté limité au nord par la force des choses, mais grâce à notre collègue, on a pu quand même aborder cette question du sud. Moi, j'ai pris note avec Monsieur Martinage qu'on va resolliciter. Hein. Vous avez noté Monsieur Martinage hein, pour la prochaine avant. Oui, on va faire 2019, voilà, quand vous aurez effectivement avancé dans cette étude qui s'annonce passionnante. On vous souhaite aussi un plein succès pour votre assemblée la semaine prochaine.
pour celle de l'affaire FER l'année prochaine. Je serais joué d'y participer aussi, entre les 90 ans de votre fédération et puis les 100 ans de l'OIT en 2019. Bon, ben, je souhaite une excellente journée à tout le monde et merci encore. Merci.